Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir France 3 Aquitaine, donc qui nous a contacté ce matin pour faire un reportage sur la vieille église et sur cette opération de mécénat participatif. Donc reportage qui devrait passer dès ce soir au journal régional ou éventuellement vendredi au journal régional donc de France 3 Aquitaine. Et nous, on veut le mettre en avant par rapport à la vieille église réserve qui ne pollue que le gars. D'accord. Là, on a déjà un premier chèque qu'on remet aujourd'hui symboliquement entre guillemets à la mairie. Nous sommes sur une nouvelle opération de mécénat participatif avec donc VMF, Vieille Maison Française, dans le cadre de l'opération Fou de Patrimoine. Et nous avons donc lancé une opération de crowdfunding depuis le 14 septembre. Nous avons travaillé un petit peu avec les partenaires locaux et parmi ces partenaires locaux, la cave du Marmandais, dont le président Serge Lafargue est ici présent avec nous. Donc la cave du Marmandais utilise sa marque La Vieille Église depuis une bonne vingtaine d'années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'apporter notre pierre à l'édifice en participant donc à l'opération Vieille Église. Et donc sur un volume de 100 000 bouteilles, nous essaierons de reverser 20 centimes d'euros par bouteille, donc ce qui fera une somme un petit peu conséquente pour La Vieille Église, donc notre marque emblématique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de remettre le premier chèque à Monsieur le maire de la cave du Marmandais. Merci beaucoup. C'est un geste que nous n'oublierons pas.